On me pose toujours la même question. Pourquoi ai-je attaqué les États-Unis ? Les États-Unis n'ont cessé d'entretenir la guerre dans le monde entier depuis plus de 100 ans. Nous avons vu plus d'une fois les résultats catastrophiques de cette politique belliqueuse et militariste. Ces guerres n'ont donné ni résolution, ni paix. Ces guerres n'ont fait que mener à d'autres guerres. Les États-Unis menaient la danse parce que c'était eux la plus grande puissance, mais plus maintenant. Ce n'est pas le commencement d'une guerre, c'est la fin de toutes les guerres. Après San Francisco, le monde libre tout entier s'est retourné contre Atlas. Iron s'est retranché dans son QG de la Nouvelle-Bagdad. Toutes les communications ont cessé. Les deux camps savaient à quoi s'attendre. Notre mission était d'accompagner la 37e aéroportée lors de la campagne choc initiale. On devait ensuite se séparer et infiltrer le centre de commandement d'Atlas pour éliminer Irons. Pour Cormac, c'était la fin d'un long voyage. Il attendait ce jour depuis 5 ans. Changement de dernière minute. Vous passerez par l'Est et le Nord pour couvrir l'équipe bleue pendant qu'elle se déploie sur la cible. Compris. On emploie la méthode douce. Il n'y a pas de méthode douce ou forte. J'évite juste de jouer tous mes atouts d'un coup. Nous n'aurons qu'une seule chance d'éliminer cet enfoiré. C'est tout ce qu'il faut. Je sais. Restez en vie. Vous serez notre témoin clé quand on le jugera à la haie. J'ai vraiment hâte d'y être. Bonne chance, messieurs. Il n'y avait rien d'autre à dire. On savait tous ce qu'il fallait faire. C'était le début de la fin. Pour l'un de nous. Oh, je pète un cap s'il me file une mission en avion ou en tank. Je supporte ici, pas ça. Sentinelle 2-1. On approche de l'ACP Romeo Victor 0 à 5000 pieds. Bien reçu. Restez à basse altitude jusqu'à la Nouvelle-Bagdad. Oh, terminé. Unité sentinelle aérienne. Regroupez-vous. Attaquez tout ce qui ne porte pas une balise sentinelle. Oh putain, fais chier. Trois ennemis devant. À 12h. Basse altitude. C'est le moment de passer à l'action. Michel, fais gaffe à tes ailes. Embuscade. Direction 305. Ils m'ont verrouillé. Gaffe au drone. Cible éliminée. Passez loin. Attention aux débris. Beau boulot. Votre ennemi arrive au-dessus de corniche. À 2h. Abattez-les. Cible éliminée. Ah, merci pour le tir de couverture. Vous m'avez sauvé la mise. Attention aux débris. Laissez à droit devant. Reste de souffle. Utilise ton surcompresseur pour passer rapidement. Écartez-vous. Haute balance droit devant. Mitchell, reste dans le canyon. Notre appareil en approche à 12h. Feu à volonté. Mitchell, vol à moins de 2000 pieds. J'en ai eu un. À 12h, basse altitude. Je passe à gauche. Cible éliminée. Surveille tes arrières, Mitchell. Et tout le monde, droit devant. Attention aux débris. Mitchell, reste à basse altitude. Surveille tes arrières, Mitchell. Mitchell, fais gaffe à tes ailes. La 4, fin du rapport de situation. Terminé. On approche du barrage hydroélectrique. Verrouille les points cibles et tire dessus avec tes missiles. Au boulot. Touché. Attention aux débris. Un ennemi se rapproche de toi par derrière, Mitchell. Fais attention derrière, Mitchell. Un ennemi se rapproche de toi par derrière, Mitchell. Fais attention derrière. Putain de merde, ça me saoule. À la Nouvelle-Bagdad. Bien reçu, 01. Le périmètre de défense aérienne ennemie est à 1,5 km. Démarrage de la séquence de largage. Pilotage automatique activé.
Capsule déployée. Cible à 1200 mètres. Réduction d'intensité. On passe en mode de détection minimale. Bien reçu, 01. Votre équipe n'est plus sur le radar. On approche à 12 400. C'est vraiment de la merde cette mission. Distance de 2000 nautiques de la cible. À vous. Je connecte l'ATH au réseau de combat. Notre cible est le centre de commandement d'Atlas, où Iron s'est retranché pour diriger l'effort de guerre. Des tourelles ont été placées en ville pour servir de défense anti-aérienne. On doit les détruire pour atteindre le centre de commandement. Distance de la cible, 200 mètres. Coupez l'ATH et préparez-vous à atterrir. Normalement, je crois que c'est l'une des l'avant-dernière ou la dernière mission celle-là. S'il n'y a pas une arme sympa, parce que celle-là, le viseur micro-ondes, c'est pas trop mon truc. Hein. Je vous envoie deux autres escouades. QG, ici Sentinelle 2-1 leader. On dévie de notre route pour aider la 95e à percer la ligne ennemie. Le but c'était de niquer des mers. Oh putain, je... On est en position au bâtiment cible. Oh, je peux niquer des mers. Ah ça, ça va me plaire si il y a ça aussi sur... Oh. Pas trop fan du viseur. Est-ce que le four à micro-ondes, ça lui fait mal? Ah ouais, ça leur fait le dégât. Bon, on va se cacher quelques secondes. Oh. Méga lourd sur le radar. Occupez-vous d'eux. Ouais,
Ouais, je suis un gars qui fait le tour. Wow. C'est qui des armes sympas ici? Hop là. Je sais même pas où est-ce qu'on va faire en fait. Je sais même pas où je vais, sérieux. Il y a personne ici, on va se mettre bien. Méca lourd sur le radar. Occupez-vous d'eux. Quoi? Et c'est pas encore ce qui m'a tué, c'est pas grave hein. Méca lourd sur le radar, occupez-vous d'eux. Alors on va attendre un peu hein. Putain de merde. On se méfie pas et voilà ce qui se passe. On a des connards qui vous tirent dessus, on ne sait d'où. Oh putain, cherchez la merde là. Ah putain, ça veut dire qu'il peut y avoir les documents en hauteur aussi. Blindé ma place droit devant. Planquez-vous. Ces chars vont nous massacrer si on reste à découvert. Ouvre-moi, Gideon. Il y a une cache d'armes droit devant. Mitchell, va avec Nox. Récupérez les Stingers pendant qu'on vous couvre. C'est parti! Mitchell, je te couvre! Récupère ce Stinger! Mitchell, prends le Stinger avant que ces chars ne fassent un tour! Les drones! Qu'est-ce qu'ils fabriquent, bordel? J'ai besoin d'une évacuation médicale immédiate. Non, c'est Manticore. Il faut se replier. Faites évacuer la ville. Pourquoi ça nous fait rien? Irons l'a conçu pour que ses troupes soient immunisées. On a dû être vaccinés tous les trois. Ah
Citoyens de la Nouvelle-Bagdad, soyez forts. La victoire est à notre portée. Regardez autour de vous et vous verrez nos ennemis tomber les uns après les autres. Chacun de vous peut être un agent du changement. Oui, nous subirons des pertes. Nous affronterons des obstacles, mais n'ayez crainte, nous gagnerons. La sécurité que vous désirez, la sécurité que vous méritez,